Eh bien, Jean-Noël Le Busulier, enseignant d'éducation physique et sportive au lycée Littré depuis 22 ans maintenant, c'est ma 22e année. Je coordonne depuis 22 ans la section sportive second cycle du lycée Littré. Donc c'est une section sportive challenge le roi, c'est-à-dire avec 4 entraînements semaine. Les élèves sont divisés en deux groupes, un groupe seconde que vous voyez derrière nous là, et un groupe première terminale qui s'entraîne tous les jours, lundi, mardi, mercredi et jeudi. Voilà. Donc avec évidemment une planification et puis le plus possible pour les élèves, le PS le vendredi pour éviter d'avoir deux activités physiques dans la journée. On a une 60aine d'élèves, donc 20 par année d'âge à peu près, puisque on en recrute 20. Et nous sommes deux à nous en occuper, donc moi je suis coordonnateur de la section et mon collègue Fabien Louedet, qui est détaché par la municipalité d'Avranches, qui est BEF et qui est à part égale avec moi en termes de volume horaire, puisque on fonctionne tous les deux sur le groupe première terminale de façon permanente. Et puis on se répartit les séances des secondes de chacun. Voilà. Autrement, évidemment, il y a aussi une forme, enfin, des compétitions. Donc le Challenge Le Roi, qui regroupe à peu près 45 sections sportives en France, qui sont labellisées Challenge Le Roi et qui ont l'obligation de 4 séances minimum par semaine. Donc là, on a un championnat interne qui se termine par une phase finale à Clairefontaine tous les ans. Sur des années sans Covid, on va dire, puisqu'il n'y a pas eu de phase finale depuis 2019, il me semble. Et donc une autre compétition, Excellence Lycée, qui regroupe là beaucoup plus de sections sportives, puisqu'on intègre aussi toutes les sections sportives locales à fonctionnement sur une ou deux séances semaine, plutôt deux d'ailleurs. La plupart des élèves sont internes au lycée. Sauf ceux qui habitent sur les communes limitrophes d'Avranches. Donc sur l'ensemble de la section, il doit y avoir 5-6 élèves qui ne sont pas internes. Autrement, tous les élèves sont à l'internat du lundi matin au vendredi soir. Voilà. Avec un emploi du temps décalé, aménagé, pour qu'ils puissent, parce que certains viennent d'assez loin, qu'ils puissent démarrer leur emploi du temps vers 10h le lundi matin. Droit, l'appel est bon, mets-la en profondeur. Là, c'est trop difficile de la mettre là. D'accord ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas mettre un ballon dans le sens du terrain, tu vas partir en 6 mètres. En plus, lui, si c'est un vrai joueur, il peut l'intercepter.